T'es toute jeune. Je vais avoir 30 ans, là, au mois de mai. Fin mai. En mai, non, en mai, tu vas avoir 30 ans. Ah, des bons voleurs. T'es un taureau. Hein? T'es un taureau. Non, je suis un gémeau de moral. Mais non, au mois de mai, c'est taureau. 28 mai, gémeau, je connais mieux que Ah, toi. à fin mai. Fin mai, oui. Fin mai, hein? C'est bientôt mon anniversaire, j'ai 30 ans bientôt. Tu vas être tranquille? Ouais. C'est pas comme ça que je parle, moi. Non, je rigole, mais c'est galerie quand même, voilà, il Moi, j'ai quel âge? 45 50 ans. 53. Combien? 53. 53 ans? Il parle. C'est pas juste toi qui es dent blanche, hein? Tu connais, tu dents blanches en détente, de moi. Et ça fait quoi sur TikTok? Vous faites quoi, madame? Vous faites du. C'est quoi votre. Je fais rien. Mais, hey, madame, là, c'est ma mère, OK? Hein? Moi, je me trouve encore jeune. Ah, mais je vous appelle madame. C'est une question de respect, madame. Et non, on peut plus, hein? Ah, pupus, oui. Pupus, oui. Pupus, je suis obligé d'appeler pupus, ça vous dérange pas. Dérange pas. Ah oui, pupus. Ça, c'est tes jeunes peu plus. Ah, j'ai tellement de pupus, madame, si vous saviez. C'est tellement. Mes petites pupus, c'est ma. C'est trop ce qui se passe avec les pupus. Il y a tellement de puces. Tu as beaucoup de pupus, hein? Il y a trop de pupus. Mais tu fais pour avoir plein de pupus. Hein? Comment qu'on dirait ça? Tu veux avoir plein de pupus? Mais oui, il y a plein de. Mais oui, mais elles sont toutes mignonnes, les pupus. Avec qui je suis. Oh. Y a que des pupus. T'as beaucoup de cadeaux, hein? Ouais, merci, pardon, je remercie pas Armand, merci Will Richard, merci pas de cap, merci mes bros. Les bleus. Voilà ma petite Claudine, bah écoute, D'accord. je te fais des petits bisous d'amour. Non, ça va aller. Non, non. Bye, bonne soirée. Merci ma beauté, bisous ma pupuce. Ah, les gens de Montréal, je les adore, merde. Les gens de Montréal. Putain. Les gars, ceux qui demandent mon Insta dans les coms, il est dans ma bio TikTok, donc allez-y, n'hésitez pas. J'essaie de répondre à un maximum de questions hein, tout le temps. Va y avoir pas mal de choses que je vais vous dévoiler sur Insta, donc vraiment, n'hésitez surtout pas à aller sur mon Instagram. Lien dans ma bio TikTok. Vous cliquez sur le lien, vous vous abonnez, ok? Je réponds à tous les messages privés là-bas. Également, meet-up sur Paris, hein, je le répète, hein, le 27 avril, pour ceux qui ne savent pas, 27 avril, je vous balance l'adresse très bientôt, meet-up, distribution de merch, pupus, séance dédicace, photo, on parle, TikTok ensemble, si vous voulez, pour toutes les personnes qui veulent venir, c'est à Paris le 27 avril, mettez bien ça dans votre agenda, le 27 avril, énorme meet-up dans Paname, à côté de Châtelet. Donc ceux qui veulent venir faire péter un petit peu vos TikTok, TikTok avec moi, on se tape des barres, arrivez avec vos trends déjà prêtes, on fait des trends ensemble, on baisse tout, ok? C'est ça le principal. Paname, 27 avril, on froisse tout tous ensemble. Donc ceux qui sont de Belgique, venez tous, on massacre tout, ok? On fait des TikTok ensemble, on se tape des barres, on fait des lives, on fera sûrement un live, on fait des snaps ensemble, donc n'hésitez pas. Garçons, filles, n'hésitez surtout pas le 27 avril. Exceptionnel. Donc ceux qui veulent plus de détails par rapport à ça, ajoutez-moi sur Instagram. Il faut être abonné à mon Insta, les gars. Il faut être abonné à mon Insta. Allez tous dans ma bio TikTok, vous cliquez sur le lien et vous abonnez à mon Instagram. Je vous balancerai la date exacte. C'est le 27, vous le savez déjà, mais je vous balancerai le lieu. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ceux qui veulent, vous allez juste dans ma bio TikTok, il y a mon compte Instagram et vous vous abonnez mes puces. Très simple, les mains. Très simple, les mains. Mais elle est dans sa petite chambre pour l'instant, hein? Bien. Demain, mon site, réouverture du site, demain, les frères.
Va falloir être vif, hein. Continuez à tapoter, les gars, votre écran. Continuez à tapoter un max, les frères. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, tu me fais gaulerie, t'es un ouf. Ouais, merci, mon frérot. Tu peux mettre ta caméra? Ouais, je regarde de suite comment. C'est bon. Vas-y. Ça va ou quoi? Ça va, la team? Salut mec, ça va Shelby? Ouais, ça va, on est là. Hein. Tu nous appelles d'où, mon pote? Montpellier. Montpellier. Ouais. Attends deux secondes. Ouais. Attends. Ouais, désolé, mon pote. Donc, pas de soucis, t'inquiète. Oh, tu. Eh, hey, je te jure, je te regarde tout le temps, t'es un ouf, tu me fais trop rire. Merci, mon frérot, ça fait plaisir. Tu suis sur Insta, TikTok, tu suis un peu les délires et tout. T'en dirais Ilan de malade, j'avoue. Ouais. Bah après, t'as vu, TikTok, j'essaye. Là, je suis nouveau dessus, tu vois. Je m'y mets juste. J'essaye de voir comment ça fonctionne et tout. C'est quoi ton goal? T'as envie de faire quoi? Je suis un peu dans le sport. Toi, je partage ce que j'aime, tu vois. Ok, c'est lourd. Voilà. Parfait. Voilà, frérot. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Pas de soucis, mec. Merci d'être passé sur live, en tout cas. Ouais, pas de soucis, frérot. À bientôt. À bientôt. Bisous, mec. Bisous. Des barres. J'avoue, il ressemblait au poteau de Marlin. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Tu m'en... Ça va? Ça va et toi, tu m'entends bien? Ouais, attends, je vais mettre la caméra, je sais pas pourquoi ça marche pas. Hop. Tu bugs, t'as l'air fou. C'est bon. Tu nous entends ou pas? Ouais, mais on voit pas ma beauté. Ah, je suis désolée, t'es ici, t'as 3000 mètres d'altitude, ça capte pas du tout. T'es où exactement? Je suis à Val Thorens. Ah, ok. Tu voulais me dire un truc en particulier? Bah non, mais tu me fais trop rire avec tes vidéos. Genre vraiment, avec mes potes, on a grave des refs à chaque fois que tu nous sors et tout. Ça nous fait trop rire. Mais voilà, c'était juste pour le kiff. Ok, ma puce. Bah écoute, ça fait plaisir du soutien. Merci. Ouais, bah écoute, ciao. Bon bisous à toi, merci d'être passé. Salut. Merci ma pupuce, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Salut mec. Bonjour. Bonsoir, monsieur, madame. Tu bugs, mon pote. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, je suis désolée, ça veut pas me mettre la caméra. Ah mince, ça va être un problème ça, Pupus. Je crois que c'est mon TikTok qui bug. Tu as combien d'abonnés sur ton TikTok? Je sais pas, mais pas beaucoup, je crois 400 et quelques. Ah effectivement, tu ne peux pas encore enclencher la caméra, je suis désolée. T'as quelque chose à me dire en particulier, ma Pupus? Non, pas spécialement, je vais faire le temps. D'accord. Bon, je suis désolée, je peux pas mettre la caméra. Faut combien d'abonnés pour la mettre? 500 ou 1000, je t'ai appelé. 500 au minimum? Ouais. Oh, waouh, ok, ça marche. Bisous, plus. Bisous.
Ah, mes pupusses, mes toutes petites pupusses. Continue à tapoter, les gars. Bonsoir. Bonsoir. Alors, attends, je sais pas si je peux mettre la cam. La caméra. Alors. Alors. Je suis pas un génie de. Alors, attends. Ouais. Je suis pas le. Allez, monsieur. Allez, un petit effort, s'il vous plaît. Attends, attends. Combien c'est bon, là? Combien d'abonnés? Je crois que j'en ai 1000. J'en ai un peu plus de 1000. Bah, normalement, c'est bon, monsieur. Ouais. Du coup, bah, quand je clique, j'appuie sur la cam, là. Il faut que je m'enregistre, c'est ça? Non. Je vous envoie une petite demande. Normalement, il y a la caméra. Ouais. Ah, putain, c'est dommage, ça. J'avais tellement de force à te donner, tellement d'énergie. Et puis voilà, mais bon, après, c'est pas grave. Mais juste pour dire, moi, je te connais d'un YouTuber, AD. Ouais. Je sais pas si tu connais, il s'appelle Pages Live. Pages Live, non, pas trop, hein. Ouais, c'est un mec qui, tu sais, il fait des comment ça s'appelle, il fait des, comment on dit ça, des revues sur tes vidéos et tout. Eh, ouais. Franchement, t'es trop fort. Eh, franchement, eh, tes vidéos, c'est une tuerie. Moi, ça m'a fait kiffer. C'est comme ça que je t'ai connu. Je te connaissais pas du tout. Du coup, je te connaissais d'un YouTuber. Et en vrai, franchement, t'as grave le profil à faire un peu de cinéma. T'as un beau teint. T'es franchement, je dis pas ça parce que de toute façon, je m'en fiche. Hein, on va pas me reconnaître ou quoi. Et tu passes bien à la caméra. C'est un truc de fou, franchement. T'as merci. Une bonne énergie. Et franchement, super beau, gentil en plus. Tu vois, t'es pas là, tu manques pas de respect et tout. Putain, dommage, j'aurais bien aimé que tu vois ma tête et ma barbe. Mais bon, c'est pas grave, je pense que. Voilà. J'essaie d'en avoir une petite là, rien, tu vois. Ouais, ça te va bien, ça te va bien, ça te va bien. Et du coup, t'as des projets futurs? Enfin, après, je veux pas rester longtemps trop. Non, trop t'inquiète, t'inquiète. Mais... Bah là, je t'as continue un peu sur mes plateformes, ça marche bien. Les gens, ils sont contents du contenu que je propose. J'ai sorti ma marque de vêtements également qui cartonne. Ouais. Et du coup, c'est quoi? C'est quoi le nom de ta marque? Pupus. C'est vêtements de femme ou vêtements d'homme? Vêtements garçon, vêtements fille. Et ça me représente un peu des vêtements avec lesquels je passe ma vie tous les jours, des vêtements de qualité. Et c'est un petit peu une ambiance, hein, une comment dire. C'est pour remercier un peu toutes les petites pupus qui sont là depuis le début. Et ouais. Justement, c'est des vêtements stylés, c'est pas juste des placements de produits comme ça où le mec, tu mets les vêtements, après il fait la pub, il met les vêtements ouais. À la poubelle, tu vois. C'est vraiment ma marque à moi, avec des vêtements que je mets tous les jours, des hoodies à capuche, oversize, des trucs stylés, tu vois. Et ouais. Coup, je suis content parce que les gens ont kiffé et j'ai pas mal de grosses commandes qui sont déjà tombées. Donc là, on est dans la deuxième semaine d'expédition, donc les gens ils vont recevoir leurs produits la semaine prochaine, début de semaine. Okay, et voilà, okay. On continue, hein, c'est lourd, je kiffe. Okay. T'es sur quel budget c'est sur quel budget à peu près? Faut tabler sur quoi par exemple? Juste un haut, juste un pull? C'est pas donné, hein, parce que c'est des produits de qualité, ouais. C'est des pulls bio organiques, 500 grammes, c'est les pulls un peu qualité Balenciaga, etc. Donc c'est 90 euros le pull. Ouais, c'est pas non plus, c'est pas non, fou, c'est pas, 90 c'est pas sont... Ouais, mais pas, c'est que le début, parce qu'il y aura des produits vraiment de qualité avec d'autres drops qui vont sortir. Il y a des t-shirts, bah là j'en ai, je ferai des vidéos bientôt, mais il y a ouais. Des t-shirts qui vont sortir oversize avec des typos différentes, etc. Et je trouve ça ultra lourd, tu vois. Ok. Ah bah c'est cool. Franchement, bien. Bon, si jamais, bon, pour l'invitation et tout ça, je me dirais, bon, je ferai un petit effort, j'essaierai de te donner un peu de force sur ça. En tout cas, voilà, bah ça fait plaisir. C'est dommage, j'ai pas pu mettre la cam, je suis pas un habitué, moi, de TikTok et tout. Comme je te disais, moi, je t'ai connu par YouTube, par l'intermédiaire d'un YouTuber. Ouais. J'ai fait un peu de pub en même temps au passage, Pages. Franchement, c'est un bon, et je te jure, le mec, il t'a trop bien vendu, le mec. Tu sais, c'est un mec qui fait des vidéos sur un peu tout et tout le monde, et franchement, quand il parle de toi, ouais. c'est presque bienveillant, tu vois, même si un peu, il y a un peu d'acting et tout, c'est normal. Mais franchement, AD, ça te va trop bien. Vas-y, j'irai voir. Vas-y, bon, je te dérange pas plus longtemps, je vais un peu laisser la place aux autres. Merci Adé de m'avoir fait monter, en plus sans caméra, franchement, t'as été gentil de me laisser, tu m'as pas sauté et tout, et du coup, voilà, je te remercie, et une prochaine fois, merci. À bientôt, salut mec, bien sûr. Ouais, merci. Cool.
Gentil ce mec. Non, non, ouais, les produits, bah, c'est de la bonne qualité, les gars. Donc, le pull, frérot, quand tu vas recevoir le pull Oversize, tu vas dire, putain, il s'est pas foutu de notre gueule. Merci, Amélia, c'est gentil pour les petits cadeaux. Vous verrez le pull, hein, quand vous allez se revoir, même les t-shirts. Là, c'est que le début, frère. On a la création à venir, les frères. Oh, les t-shirts, les pulls, les joggings, les calbars. On est en train de faire des vrais, vrais trucs, les frères. De toute façon, vous allez voir que 80, 89 ou 99, le pull, vous allez voir. Qualité de baiser, vous allez pas être déçus. Vous allez vraiment pas être déçus, mes amours. Le site, il revient demain, les frères. Demain, parce qu'il est en maintenance, là, parce qu'il y avait trop de monde, donc il a craché deux fois. Donc là, je reviens avec un tout nouveau site, là, demain. Demain, 21h, 20h. Bonsoir. Bonsoir, Pupus. Ça va? Comment allez-vous, mademoiselle? Ça va, et toi? Ça va, super. Pouvez-vous mettre votre caméra? Est-ce que c'est possible? Hop. Bonsoir, mademoiselle. Maquillée ce soir, très mignonne, très belle. Merci, ça va? Bien sûr, et vous? Comment allez-vous? Ça va, merci. Et toi? Ça va, vous m'appelez d'où, madame? De la Belgique. Ah, une petite Belge, mignonne, sexy. Quelle origine? Sénégalaise, guinéenne. Quel beau mélange. Pardon? Quel beau mélange. Merci, c'est gentil. Quelle poitrine. Pardon? Vous êtes célibataire, madame? Oui. Ça bug ou tu m'entends? Pardon. Putain. Ça va, vous? Oui, ça va. Je te perturbe, Pupus. Alors, c'est pas... Enfin, vous me permettez? Oui, vas-y. Quelle belle poitrine, madame. Merci. Ils sont parfaits. Merci. Non, pour le coup, c'est... Enfin, c'est une ode au plaisir. C'est... quand... Enfin, putain. C'est la taille parfaite pour moi. Enfin, je sais pas si vous... Petite question assez indiscrète, ce sont des seins réels, réels, enfin... Oui, oui, bien sûr, c'est le vrai. Fait par la nature? Oui. Ou fait par la science? Naturel. Vous pouvez juste mettre un peu comme ça, juste pour... Juste droite? Ça vous dérange pas? Ah ouais, c'est... Ils sont magnifiques. Merci, c'est gentil. Ah. Le cœur est aussi beau que la poitrine? Ah oui, bien sûr. Oh là, madame. Et un jeune garçon partage votre vie ou vous êtes comme moi, seul? Non, je suis seule, comme toi, célibataire. Et heureuse? Oui. C'est excellent. Quel est votre style de garçon, madame? Hein? Mon style de garçon, bah, un homme gentil, ouais. Gentleman, ouais. Il sait me canaliser. Avec plaisir. C'est quoi, AD? Blanc, noir, arabe, chinois? Bon, je choisis pas vraiment la nationalité. D'accord. Pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est un homme respectueux, voilà, galant, qui sait bien s'occuper d'une femme. D'accord. Voilà. Dans quel sens? Dans tout. Excellent. Quel âge vous avez, madame, si je peux me permettre? J'ai 25. Combien? 25 ans. 25 ans. Vous êtes ravissante, madame. Merci, c'est gentil. Mais pourquoi tu m'appelles madame? Je ne suis pas encore madame. Hein? C'est vrai, excuse-moi, j'arrête.
s'appelait madame. T'es mignonne, ma pupusse. Merci. Moi aussi. Je te retourne le compliment. Oui, t'es très beau aussi. J'attendais ce. J'aime bien ton contenu. Continue comme ça, c'est vraiment top. Merci, madame. Quel compliment ce soir. Franchement, je rigole beaucoup avec des amis, avec le nom que tu as créé là, Pupus. Donc c'est vraiment drôle et franchement, j'aime bien. C'est gentil, mademoiselle. Ton prénom, Marly? Oui, Marie. Vous êtes ravissante, vous êtes gentille, Une surprise, douce. hein. Je ne m'attendais pas du tout que tu me fasses monter en fait. Du tout. Ben, je m'y attendais pas, mais je suis plutôt satisfait. Merci, c'est gentil. Les amis, ceux qui veulent ab vous abonner à Marly, c'est ça a l'air d'être une très gentille fille, cool. Et elle a l'air très douce. Donc si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, mes amours. Merci. Vous avez un petit dernier mot pour la fin de ce live, pour je ne sais pas. Bah merci, merci de m'avoir fait monter et bonne continuation à toi et voilà. On peut peut-être se parler en privé, peut-être si. Oui, pourquoi pas? Je te suis. Ben, je vais m'abonner en retour, madame, et on voit un peu ce qu'on peut faire, s'il y a du business à créer ou pourquoi pas se rencontrer dans la vraie vie. Oui, pourquoi pas? Bien sûr, avec plaisir. Bah, écoutez, madame, je m'abonne de suite. D'accord. Voilà. Attends, comment on fait, merde? Attends, je screen et je vais m'ajouter après parce que je n'arrive pas. Écoutez, madame, merci d'être passée. Je vous attends ce soir. D'accord, avec plaisir. Bisous. Bisous, madame. Au Merci, au revoir. revoir. Voilà. Ah mais AD, AD, assis, AD, ci, AD, ça. Hé! Qui fait ça? Qui peut faire ça? Personne! Personne! Elle veut. Âge? 17. Ah, c'est trop. Qui fait ça? Personne. Pupus, uniquement. Toi, je refuse. Appelle. Putain, mais en fait, vous connaissez tout de ma vie, en fait. Vous êtes même dans les moments où je drague, où je. De toute façon, les gens qui sont abonnés à mes plateformes me voient dans mon intimité la plus profonde, si vous voyez ce que je veux dire. Vous me voyez en train d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes. Et voilà mes pupus. Donc, au final, je peux rien vous cacher, hein, en vrai. Là, sur TikTok, on fait des lives, mais pour ceux qui me suivent sur les plateformes, d'ailleurs, ceux qui ne sont pas abonnés, vous loupez quelque chose. Hein. Oh! Oh là là, vous loupez quelque chose, mes amours. Mais d'une puissance. Vous loupez quelque chose, mais mais les gens savent de toute façon, mes amours. Les gens savent. Vous serez choqués de voir un petit peu ce qu'il y a sur mes plateformes, je pense. Après, il y en a qui sont peut-être pas assez chauds, entre guillemets. Mais bon. Cette petite pupusse. Une... Bonsoir, madame. Madame? D'accord. Merci Chloé Kayla, merci MZ, merci Madilo pour les petites roses de malade, bro. Petite rose de malade, hein. Petite pupusse.
Ah là là, des choses. Elle s'appelle la tigresse du 750. M'a refusé. Je suis bourré. Non, je ne suis pas bourré, mes amours. Je ne suis pas bourré. Par contre, ce soir, peut-être. On est samedi, on sort, on s'amuse, on a marre. Bonsoir. Tapin. Pardon. The catch on fire. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Excellent. Qui est Angélique, mes amours? Qui est Angélique? Je ne connais pas. Je ne connais pas Angélique. Bonsoir, madame. The flame Là. Hello. Hello. Attends, j'essaye juste de mettre ma cam. Ben, tiens. Salut, puce. Ça va? Petite, cette petite position sexuelle. Non, je sors là, j'étais en live aussi. Waouh, tu sors un peu plus. Arrête de te poser comme ça, putain. Désolée, désolée, désolée. Attends, je vais prendre ma perche, je vais l'escalader ailleurs. Hop, tu vas bien, Adé? Et toi, ma puce? Oui, ça va, nickel. Ça sort ce soir? Oui, je suis dans les îles Canaries là. Ah bien! Ouais, grave. Ça sort un peu plus? Non, non, non. Je suis avec un petit abonné à moi. Il m'a réservé une petite surprise et du coup, je suis dans les îles Canaries avec lui. Hein? Attends, bien ce ton. T'entends pas? Non. Attends, excuse-moi. Je vais enlever. Hop. J'ai pas du tout enlevé. Excuse-moi. Hop. Voilà. Du coup, je te disais, je suis dans les îles Canaries là avec un mec. T'as dit un abonné. Voilà. Oui, un abo, quoi. Un mec, un abo. Mais qui est ton Enfin, mec? voilà. Non, 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 pas du tout. Un mec à qui je parlais sur les réseaux et voilà. Mais t'es sur les plateformes, toi? Oui. Ah, ok, donc j'ai capté. Ok. Vous allez faire des petits bébés là-bas? Ça, je peux pas le dire, mais voilà. T'as pris un beau gosse? Ouais, plutôt, ouais. Comme moi? Pas le même genre, mais t'es beau gosse aussi, ouais. Ah, merci, ma puce. Et Mais toi, d'habitude, t'es tu... aussi. Pardon? Pardon, quoi? Je te disais, tu faisais pas des lives le soir de base? Bah, il est 22h, ma puce. Hein? Ah, mais oui, c'est vrai, je suis en décalage, moi, ici. Parce que moi, chez moi, il est 21. Hop, voilà. Voilà. Du coup, t'es avec un petit abonné qui paye le voyage. Non, pas du tout. C'est moi qui me les payais, par contre. Je voulais pas. Je suis pas une michetot non plus, tu vois. Donc voilà. Je me suis payé mon voyage, mais après, on kiffe, quoi. Et c'est lui qui paye son billet d'avion? Oui. Ah oui, je vais pas lui payer non plus. Bah, tu l'invites. Mais je l'invite pas, on a programmé ça ensemble. Ah, j'ai capté. Voilà. Bah, Voilà, c'est voilà. bien, tu vas t'amuser, toi. Je vois que tu es heureuse dans ta vie, tu as une petite bouille de femme heureuse. Ouais, je kiffe ma vie. Ouais. Ouais. Tu fais Et des toi, trucs. du coup, t'es où là? Je suis à Marbella, moi. Marbella, ok. Ok. Je profite également d'un peu de mon début de. Comment dire, bah, j'allais dire d'été, mais pas du tout, mais c'est toujours l'été de toute façon avec Adé.
Et voilà, on est épanoui également. Les gens disent que t'es vraiment épanoui, que t'as l'air épanoui. Donc moi aussi, je le suis. C'est mon live là qui est dessus ou j'ai accès à tes commentaires? J'ai jamais vu de live. Ouais, bah non, les gens ils disent que t'as l'air épanoui. Ok. Bon, ben c'est merci à tous en tout cas. Pas de soucis, Laura. Un petit mot pour le live, je sais pas, t'as un petit truc à dire si tu veux? Petite dédicace à passer. Non, pas forcément de dédicace, mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir que tu m'as accepté, je pensais pas. Et voilà, bah, écoute, je vais te souhaiter une bonne soirée. Merci, ma petite heure. Et kiffe bien ta petite vacances là-bas. Oui. Merci en tout cas. Je t'en prie, bisous. Bonne soirée. Ma jolie, ma pupus. J'adore vous parler le soir, les amis. Qui sort ce soir? Qui va se la foutre? Bonsoir. Allô? Oui, madame. Ah, la caméra, ça marche pas. Ça marche pas. Non. Butterfly. Allez, madame, montrez-nous cette belle poitrine alléchante, s'il vous plaît. Oula. Pas ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là. Bonsoir, madame. Salut. Ça va bien? Ça va mieux? Non, ça va bien. Ça va mieux. Ah, OK. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes heureuse dans votre vie, madame? Toujours. Mais vous êtes fait passer le mot ce soir? C'est quoi? Vous êtes fait passer le mot ce soir? Je prends que des belles femmes avec de belles poitrines. T'es chanceux. Je sais pas si je... C'est moi qui les attire, je... Arturo, merci. Merci beaucoup. Mais non, je peux te poser la même question que j'ai posée à la dame d'avant? C'était quoi? Sont-ils créés par la science ou par la nature? Par la science. D'accord. Êtes-vous satisfait du travail réalisé? Très. Hétérosexuel, bisexuel, homosexuel? Hétéro. Actrice? Pornstar? Stripper. Stripper, oh my god. Show is what. Tu strippes, hein, ma pupusse. Mm-hmm. Tu donnes du plaisir aux adultes. Oui, je leur fais des danses. Et où, si je peux me permettre? Au Québec. Et tu me suis depuis longtemps? Non, pas tant. Et t'as un mec dans ta vie, toi, t'es célibataire. C'est pas possible. T'es comme moi, t'es célibataire. Non, je suis célibataire. Les gars aiment pas mon métier. Ah, les gars, ils aiment pas ton métier parce que tu te dandines sur des mecs pour vivre. Mais t'es heureuse dans ta vie. Oui, ça va super bien. Je suis très heureuse. Je manque de rien. Tout est correct. Bah, c'est exceptionnel, regarde. T'es une belle femme. Y a pas de sous-métier, d'accord? Moi, t'as vu, je suis sur les plateformes. En plus, moi, c'est plus compliqué, c'est que je suis connu en plus. Donc, j'ai OnlyFans et Mime. Je suis toujours avec des femmes, des filles. Et en plus, je suis connu. La merde, je peux pas vesqui. Mais un jour, il y aura une femme qui me comprendra et qui me dira « Adé, bah, tu me diras aussi, je fais ça parce que... » Les revenus sont assez importants, si tu vois ce que je vais dire. Mais un jour, une femme me comprendra et me dira, mais Adé, mais si t'es heureux comme ça, il n'y a pas de souci, on va avancer. Le problème, c'est que généralement, moi, je suis avec des femmes au début qui disent, bon, détends, t'inquiète, Adé, ça ne me dérange pas. Et quand elles tombent amoureuses, ah, après, c'est, oh putain, merde. Je te comprends là-dessus.
là, c'est compliqué. Au début, ça va. Mon ex, ça allait bien, c'était cool. Et après, bah, au bout d'un ou deux mois, ça tombe amoureuse et après, c'est fini. Mm-hmm. Merci Arturo pour les roses. Merci, ma pupuce. Mais non, t'es heureuse, t'es comme moi. Oui, comme toi. Moi, c'est exactement pareil. Quand je rencontre un garçon, au début, ça ne leur dérange pas, mais aussitôt qu'il y a de l'attachement, ça les fait fuir ou ils me demandent d'arrêter. Mais tu sais, tu m'as connu, je faisais ça, ben tu vas garder avec ça. Merci Arturo, mec. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Tu prends quand même pas mal d'argent avec ça? Oui. Ouais, quand même, hein. Et tu travailles beaucoup? Je travaille une semaine sur deux parce que j'ai des enfants. Oh, mais t'as quel âge? 24. Oh putain, ok. D'accord. Et des enfants voulus ou des erreurs de la vie? Ben, mon premier, mon garçon, n'était pas voulu. Je l'ai eu à 16 ans, donc j'étais très jeune. Ma deuxième était voulue, avec le même papa, à 18 ans. Donc, vous avez le même, ils ont le même papa? Oui. Et tu regrettes pas? Non, je les adore. Et ça te nique pas ta vie? Mon garçon, tu sais, quand je l'ai eu, j'étais jeune, premièrement, mais j'étais pas... j'avais beaucoup de problèmes, tu sais, de consommation et de toutes sortes de choses, puis je dirais qu'il m'a sauvée là-dessus. Ouais? Ouais, vraiment. Ça te nique pas ta vie d'avoir des gosses si tôt? Non. Non, j'ai toujours eu quand même une bonne maturité... à l'avance. Putain, moi, gosse, là, je suis dans la... Là, maintenant, tu me fous un gosse. Mais non, je préfère même pas imaginer, putain. Bah, écoute, si t'es heureuse comme ça, ma petite butterfly, c'est tout ce que je te souhaite. Et si t'as un petit mot à dire, n'hésite pas. Les amis, n'hésitez pas à aller follow la petite butterfly, si ça vous intéresse. Hein. Ah, ma pupus. En fait, tu me gênes un peu, je sais pas pourquoi. Plus. T'as un regard intimidant. Intimidant? Ouais, intimidant. Ok. Comment je dois le prendre?